Hello tout le monde, c'est Don Nico. On se retrouve aujourd'hui à Wavre pour une nouvelle vidéo vlog. On va pas se diriger vers Walibi, on va plutôt se diriger vers une piscine Aqualibi. J'ai bien hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, on va se retrouver dans plusieurs toboggans ensemble, dans le rapido également. Quoi de mieux que de démarrer la vidéo maintenant? Et bien voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à me suivre dans Aqualibi. Alors j'ai passé un moment assez agréable. Il faut juste savoir que l'attente, que ce soit l'affel pour rentrer dans Aqualibi ou que ce soit attendre pour faire un toboggan, pour même monter dans le rapido, c'est juste exagéré. Il y a beaucoup trop de files d'attente. Elles sont super longues. C'est surtout ça le gros souci. J'ai surtout l'impression que Aqualibi ou même que ce soit Walibi sont assez victimes de leur succès.
ça attire beaucoup trop de monde et la piscine malheureusement est beaucoup trop petite en fait. Au niveau des toboggans, sincèrement, comparé à la récente vidéo que je vous ai réalisée sur Océade, on est très très loin d'Océade, hein. Les toboggans sont assez bof, vraiment, pour ne pas dire mauvais pour certains. Il y a un toboggan où on peut monter à deux dans une bouée, très mauvais, super court, c'est surtout ça le souci, on n'a même pas le temps en fait de rentrer dans l'attraction, que voilà, elle est terminée quoi. Le toboggan à une bouée était vraiment sympa. Quant à lui, le toboggan le plus rapide, l'extrême, était vraiment sans plus. Le rapido est clairement la grande force de Aqualibi. C'est de très très loin la meilleure rivière sauvage que j'ai pu faire dans ma mini carrière, on va dire, d'explorer certaines piscines ou parcs aquatiques. Aussi, un gros point négatif, je trouve, c'est qu'on ne peut pas filmer ni faire de photos dans Aqualibi, donc j'ai dû vous filmer tout ça en cachette. En tout cas, est-ce que je conseille Aqualibi? Oui et non. L'attente est vraiment un gros point négatif, je trouve. Il faut savoir qu'on est un samedi, on a été en après-midi, on en été, donc ça attire beaucoup de monde, je peux comprendre. Mais de là à ce qu'il y ait autant de monde et ce qu'il y ait tout le temps un temps d'attente, c'est juste exagéré. En tout cas, je serais resté, on va dire, 4h, 4h30 dans le parc aquatique. Et je pense que je suis resté à tout casser 1h30 dans l'eau. Donc c'est vraiment pour vous dire que le temps d'attente, j'insiste vraiment, est extra long. On peut bien évidemment manger, ça a été assez chaotique aussi à ce niveau-là. Malheureusement, les frites sont arrivées froides, l'hamburger, le pain d'hamburger est arrivé très très dur. Donc, par contre, les toilettes très propres, les vestiaires très propres. Là, jusque-là, j'ai vraiment rien à dire. Après, ces points positifs, mais encore une fois, le rapido, ouais, il y a quelques bons toboggans. Il y a la piscine à vagues que je n'ai même pas pu faire car à chaque fois j'arrivais au mauvais moment. Mais bon, il y a une piscine à vagues, il y a pas mal d'attractions pour les petits, donc ça c'est assez sympa. Mais encore une fois, je reste assez mitigé sur mon aventure à Aqualibi et je ne pense vraiment pas revenir d'aussitôt. Et pour vous dire, tellement que j'attendais, j'ai eu le temps de créer un dicton, c'est « j'ai le temps de sécher tellement que je sèche ». Voilà, c'est la phrase de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu. Ciao ciao tout le monde.